Je m'appelle Lionel Davoust et dans la vie, j'écris des bouquins, en gros. C'est mon activité principale hein, depuis quelques années maintenant. Je viens pas tellement de ce domaine-là. À la base, j'étais biologiste marin et j'étais censé être commandant Cousteau, mais la place était déjà prise. Mais j'ai toujours eu envie d'écrire aussi et je savais que, quelle que soit la forme, je voulais avoir une composante de création et j'avais envie d'écrire depuis très longtemps. Aujourd'hui, j'écris, je fais un peu de traduction aussi, j'en ai pas mal fait, j'en fais moins maintenant. Je suis blogueur, podcasteur un peu aussi, autour des questions de techniques littéraires, qui sont des choses qui m'intéressent beaucoup, ne serait-ce que pour moi, pour définir mes propres outils. Et puis, je crois beaucoup au principe d'essayer un peu de renvoyer l'ascenseur, ou en tout cas de mettre le pied à l'étrier, donc j'essaie de transmettre un peu ce que je peux découvrir, apprendre, etc. Et puis après, on voit les gens s'approprient ou pas, quoi. Et voilà, et puis je fais un peu aussi de la musique pour les jeux vidéo. Mais mon activité principale, c'est vraiment l'écriture, c'est facilement les trois quarts de mon temps. Donc, La Messagère du Ciel, c'est le premier volume d'une série qui s'appelle Les Deux Sauvages, qui est de la fantasy post-apocalyptique, parce que c'était rigolo de mélanger des trucs qui normalement ne pouvaient pas aller ensemble. Donc, on est dans un monde moyenâgeux assez peu fréquentable, où il y a eu jadis un empire dont on ne sait pas trop grand-chose, mais qui visiblement avait l'air assez technologique, qui utilisait une magie d'une manière un peu comme une science. Et cet empire a offensé le regard de Dieu, qui a donc décidé de repartir à zéro et de tout détruire. Et donc on se retrouve dans un monde difficile, où énormément de choses ont été perdues, où la religion totalitaire, patriarcale de ce Dieu domine la société, et les communautés humaines sont rassemblées autour de ce qu'ils appellent les zones stables, qui sont des endroits où en gros on risque pas grand-chose, parce qu'à côté il y a les zones instables, qui sont donc les forêts, les marais un peu inexplorés, et où la magie peut en prendre une forme totalement chaotique et faire muter la nature, créer des horreurs, etc. Un petit peu en mode super accident nucléaire. Merian, donc c'est le personnage, il y a beaucoup de points de vue dans Les Dieux Sauvages, il y a beaucoup d'histoires parallèles, mais Merian, c'est véritablement la personne autour de qui tout s'articule et autour de qui tout se passe. Donc Merian, à la base, c'est une jeune fille qui, quand elle avait 14 ans, avait le choix entre vivre dans cette société patriarcale, soit sous-entendu, soit serf, fais des enfants et tais-toi, ou alors vivre libre, dans les zones instables, prendre des risques, mais au moins, peut-être elle allait peut-être pas vivre vieille, mais au moins elle allait vivre libre. Elle a choisi de faire ça. Et il se trouve qu'un jour, Dieu se rappelle à son bon souvenir et la met, sans trop en révéler, la met en avant et la met sur la première ligne du conflit qui l'oppose à son. Donc il y a deux dieux, Wer et son frère ennemi qui est Aska. Et Wer la choisit et la met en première ligne sur le conflit qui l'oppose à Aska. Sauf qu'elle n'est pas tellement d'accord, parce que c'est un monde où même si on peut tout à fait être convaincu de l'existence des dieux, ça ne veut pas forcément dire qu'on croit en eux, au sens où on a foi dans ce qu'ils représentent. Et Merian a été plutôt du genre à se dire que Dieu et elle, s'ils pouvaient rester le plus loin possible, c'était bien. Bon, elle n'a pas tellement le choix. Donc Merian est complètement, enfin, c'est totalement assumé. Il y a une citation en exergue de La Messagère du Ciel, qui est une véritable citation de Jeanne d'Arc, qui est Dieu premier servi. Disons que dans le cadre des dieux sauvages, ça n'a pas vraiment le même sens que je pense que la manière dont Jeanne d'Arc voulait le dire, qui est qu'effectivement, les dieux, dans les dieux sauvages, se servent les premiers. Et les humains sont un petit peu des pions sur l'échiquier dans le conflit qui les oppose. Donc Merian est une forte tête, mais quand même un bon cœur, qui va se retrouver en position de devoir gagner sa place, sauver peut-être son royaume. Mais vu que c'est une grande gueule, et que c'est quelqu'un de rebelle, elle va décider de le faire selon ses propres termes. Donc l'histoire de Merian est une inspiration très claire de l'épopée de Jeanne d'Arc, mais pas le côté historique. Ça se passe dans un monde de fantasy qui a rien à voir avec la guerre de Cent Ans, avec la France. D'ailleurs, les Ascalides sont des démons, c'est pas les Anglais. Je suis à moitié anglais, donc je peux les chambrer si je veux. Donc elle est, il y a l'épopée de Jeanne d'Arc. Si on connaît bien l'épopée de Jeanne d'Arc, on peut retrouver un peu certains des épisodes, parfois très détournés, très réécrits à la manière qui, moi, me convenait, et parfois méconnaissables. Parce que moi, ce qui m'intéressait, c'était de travailler sur le terreau mythique de Jeanne d'Arc, pas l'histoire à proprement parler, pas les faits. C'est ce qu'elle a évoqué plus tard, la figure que le mythique et que l'inconscient collectif et que l'histoire en a retenu, c'est la figure de l'héroïne. Et aussi le paradoxe qui, pour moi, est
toujours un peu insoluble. De nous avons une jeune fille qui se présente comme l'envoyée de Dieu qui va sauver le monde, et elle finit sur le bûcher, brûlée par la même église dont elle se réclamait. Ce que je trouvais un paradoxe assez intéressant à étudier. Donc voilà. Donc l'inspiration, clairement, c'était à la base, c'est ce paradoxe-là. On a une messagère envoyée par Dieu qu'on brûle à la fin. Alors, il y aura le procès en hérésie dans les dieux sauvages, mais je me l'approprie et je vais en faire autre chose. Mais voilà, donc je spoile pas. Mais donc voilà, l'idée c'était vraiment ce rapport. Et puis la possibilité qui est quand même assez savoureuse d'avoir un personnage grande gueule qui se retrouve à pouvoir avoir une ligne directe avec Dieu et qui peut justement lui balancer tout ce qui lui va pas dans le monde. Et je pense que, enfin voilà, moi j'ai été élevé dans l'enseignement catholique et c'était un truc que j'aurais bien aimé avoir, parce que j'avais des tas de questions à poser qu'il fallait pas poser. J'avais promis 3 tomes, et finalement il y en aura 4, parce que je planifie beaucoup à l'avance, je sais exactement où je vais, je connais le fin mot de l'histoire et tout, mais la création n'est pas une science exacte, et j'avais promis 3 tomes, et quand je suis arrivé à la moitié du tome 2 et qu'il y avait visiblement au moins autant derrière dans ce que j'avais prévu dans ce volume-là, j'ai fait « Houston, j'ai un problème ». Donc en fait j'avais prévu 3 volumes, en fait il y en aura 4. Pour l'instant, j'ose plus rien promettre, mais parce que normalement, je suis assez carré, mais bon, voilà. C'est un projet que je me suis rendu compte avec, au fur de l'écriture, en fait, qui était vraiment plus ambitieux que ce que j'imaginais en termes de complexité narrative et en termes de voyage et d'envergure pour traiter tout ce que je voulais faire et tout ce que j'avais prévu de faire. Donc, je rallonge pas pour le plaisir de rallonger. C'est juste que l'histoire, visiblement, nécessite de prendre plus d'envergure et donc un peu plus de tomes. Donc, pour l'instant, il y en aura 4. Donc, le deuxième s'appelle Le Verrou du Fleuve. Il est fini. Je suis dans les corrections éditoriales, mais il est fini. Donc, il sortira en mars 2018. Et après, il y aura La Fureur de la Terre, qui était le titre prévu initialement pour le 2, mais qui donc sera le 3, qui sortira le plus tôt possible après, mais promis, ce sera pas longtemps. Et le quatrième, qui s'appelle L'Héritage de l'Empire, sortira lui aussi. Après, il y aura au maximum un an entre chaque tome. Ça, je m'y engage, promis juré. J'avais pensé 6 mois entre le 1 et le 2. En fait, il y aura 8-10 mois entre le 1 et le 2. J'espère qu'on m'en veut pas trop de ce retard. Mais voilà, en tout cas, je sais vraiment bien où je vais. Donc, Le Verrou du Fleuve, ça sera en mars 2018, promis juré.